Merci. Le prix de la meilleure musique est remis à Grégoire Hetzel pour la musique de la mini-série Thanksgiving. Thanksgiving, on a un extrait. Arte. What's wrong? That's for me to ask. Gavin, I had the impression that you were on edge. All this business about the splendor is starting to get my nerves. I lied during the interrogation. You won't die for it. Not just yet, at any rate. Effectivement, on se rend bien compte de la musique dans cet extrait. C'est assez probant. C'est assez probant. Voilà. Deux barrettes. Il y a peut-être. Adrienne. Adrienne Pressac. Juste deux mots, simplement pour dire que le soin apporté par Nicolas Saada à la musique est. Un soin de longue date, puisqu'il avait une émission pendant très longtemps, certains ici s'en souviendront peut-être, sur Radio Nova, et qui était dédiée à la place de la musique dans les films. Et donc c'est formidable que le musicien avec lequel il ait pu travailler reçoive ce prix, ça nous touche beaucoup, et on est très fiers pour lui. Merci infiniment. Et François. Alors nous enchaînons avec le prix de la réalisation, et c'est Emmanuel Rigaud qui va le remettre, il est metteur en scène. Et donc le trophée de la réalisation revient à Nicolas Saada pour Thanksgiving. Nicolas Saada. Ah, et là on va appeler Grégoire Collin, puisque Nicolas Saada est rentré à Paris. Et Grégoire Collin, qui joue merveilleusement bien dans ce film, et qui est aussi accompagné Adrienne Préjac. Il a mal la bouteille. Parce que Nicolas, vous me le tenez parce qu'elle ne peut pas tout faire. Tu veux tenir quoi? Je tiens le téléphone. Rajoute lui la bouteille. À mon avis, ça va être marrant. Il se mettait sur la tête. Alors il dit bonsoir Nicolas, il vous souhaite bien le bonsoir, évidemment c'est avec beaucoup de surprise et de joie que j'ai eu la nouvelle de ce prix. Je tiens en tout premier lieu à remercier le jury du festival, les sélectionneurs, mon producteur Claude Chély, qui m'a donné le désir de travailler pour la télévision et porter ce projet, Olivier Watling, Isabelle Huige, Adrienne Fréjac, Arte, qui m'ont accordé leur confiance, Odile Carrière, c'est très bien. Qui a suivi avec toutes les étapes de la fabrication. Je remercie ma co-scénariste Anne-Louise Trividic, qui a tenu bon et m'a aidé pendant de longs mois d'écriture, mais je tiens aussi à partager cette récompense avec mes deux acteurs exceptionnels qui ont énormément contribué à Thanksgiving, avec générosité, une générosité rare, en m'épaulant, en m'encourageant, en me stimulant jour après jour, Grégoire Collin et Evelyne Brochu. Grégoire a su donner corps au personnage de Vincent en lui apportant une tendresse, une mélancolie, une complexité qui ont enrichi et inspiré mon travail de metteur en scène. Et Evelyne, qui a créé une Louise encore plus touchante et nuancée que je l'imaginais. Enfin, un réalisateur n'est rien sans son équipe, Léo Instinct, chef opérateur, il y a tout le générique, Erwan Kerzané, Stéphane Thiébault, Séverine Favriot au son et Grégoire Hetzel à la musique, Christophe Pinel au montage, Julie Gouet et Mathilde Profi à la mise en scène, Pascal Le Guélec au décor, Nathalie Raoul au costume, Antoinette Boula au casting, sans oublier les merveilleux Fred Weissmann et Hippolyte Girardot, Stéphane Réa, et ainsi que tous les acteurs, merci à eux, et merci encore à vous. Bravo. Ben, il mérite le champagne, hein, parce que... Champagne, Nicolas Feuillatte, pour la publicité. Photo là-bas. Ah oui, photo.